animal que vous pouvez voir, c'est un animal familier, par contre. Le chien ? J'ai entendu, oui, le chien. Donc on va dire tout simplement que l'otarie aboie. Et du coup, les petits des otaries, on va les appeler les chiots, bravo. Tout simplement. Allez, et oui, les chiots. Hop. Donc du coup, on va vous expliquer un peu comment on a là. Allez, c'est un... Non, c'est un son, c'est pour ça tout simplement pour penser aux otaries, car les otaries, première récompense forcément sera le poisson, tout simplement. Il peut y avoir les caresses, bon, c'est pas 4 fois plus fort que par un chien, c'est... on vous fera beaucoup plus mal. Et du coup, forcément, les sauts qu'on a fait comme tout à l'heure, ça va leur servir aussi d'une récompense. Donc ici, on va faire tout ce qui est entraînement médical, donc tout ce qui peut nous aider à soigner l'animal, comme par le fait à distance. Bon, avec une brosse à dents, bien sûr, pas le gros doigt. Mais on peut enlever éventuellement des arêtes, les yeux. Donc ici, hein, comme dans la plupart des parcs zoologiques avec zone aquatique, on vous offre des panoramas, enfin des vues plutôt, sous-marine, grâce à nos guides. Le problème, c'est que les rayons du soleil passent quand même à travers et pour voir son même plus de l'animal, définitif. Donc dans ces cas-là, on leur apprend à garder les yeux ouverts face à l'obstacle, puis après, on fait tomber une goutte du doigt. Pareil, il ne faut pas qu'elle ferme l'œil jusqu'à ce que l'autre goutte soit tombée dans l'œil. Puis après, on va remplacer par un petit flacon d'eau salée. Puis après, ce plafond de salé, on va contrôler s'il n'y a pas de soucis. Quand je vois hein, chez Vasco, il y a des... Non, Vasco, allez, c'est la fin de journée, mais quand même. On voit chez Vasco, il y a des taches jaunes, mais... Bah dis donc, allez. Donc c'est dur. Ah, voilà. Ah, ça dit 7 kilos, vous pouvez bouger, hein. Regarde, vous voyez, vous montrez qu'il y a une petite tache jaune. Tout simplement, c'est une cicatrice. Parce qu'il a... Donc là, c'est le côté attractif, mais du coup, un examen plus approfondi de l'échantillon. Allez, on va les expliquer un petit peu, parce que là, on va nous faire voir un exercice qui est un peu plus délicat pour eux, qui est un peu plus décontracté. C'est la prise de sang. Dans la petite tache que vous voyez au fond. Donc, elles vont tout simplement être couchées, donc ce qui est une position assez de soumission, on va dire, pour elles, parce qu'elles n'ont pas d'appui pour vite partir. Mais c'est pas la, vraiment la soumission pure et dure. Je vais vous la faire voir après. Donc là, il faut une grande confiance entre le soignant. Et à ce niveau-là, il y a des vaisseaux sanguins très intéressants pour pouvoir faire une prise de sang. Donc chez les petits gabarits comme chez nous, comme Basco et Clarchon, on va le faire sur le dernier tiers du corps, au niveau de la colonne vertébrale, qui se trouve une artère qui est très intéressante. Bon, par contre, il faut une très... Les jambes en fait. Ah là là, c'est... J'ai... En plus, c'est la lumière. Regarde, il aboie sous l'eau. Ouais. Il aboie sous l'eau. Mathieu, tu demandes à la dame combien d'années elles vivent les otaries. À qui? À la dame.
alors, tu regrettes pas? 20 ans. J'en ai eu un, mais... Thank you.